La CAN 2023 commence avec une interdiction pour Djemel Belmadi. L'équipe d'Algérie menée par le sélectionneur Djemel Belmadi fait face à des débuts inhabituels à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Après l'épisode du drone espion au-dessus de leur terrain d'entraînement, une nouvelle controverse émerge impliquant Belmadi. Selon la Arab Al-Jadid, relayée par DZ Ballon, la Confédération Africaine de Football aurait interdit à Belmadi l'accès au stade de la paix de Boaké, sans autorisation préalable. Belmadi inspectait fréquemment le stade, suscitant le mécontentement de la CAF. La source indique que le sélectionneur veut maximiser l'accès au stade situé près du lieu d'hébergement pour des vérifications, notamment de la pelouse et des vestiaires. Cette précaution découle des soucis lors de la CAN 2021 au Cameroun où la pelouse de Japoma avait nui au jeu de l'équipe. L'Algérie dans le groupe D à Boaké jouera contre l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie. Ils commencent le 15 janvier contre l'Angola puis affronteront le Burkina Faso le 20 janvier, clôturant la phase des poules contre la Mauritanie le 23 du même mois. Ces événements soulignent une préparation inhabituelle pour les Fenech en vue du tournoi africain.